Bonjour! Aujourd'hui, je vais à nouveau te parler des débuts, mais d'un autre point de vue. Je vais te parler de mes débuts, de comment j'en suis arrivée là, comment j'en suis venue aujourd'hui à œuvrer de la manière dont j'œuvre. Parce que il y en a eu des étapes. Mais au commencement, il y avait quelque chose de particulier. Et ça me semble important de pouvoir partager ça. Parce qu'il me semble important d'observer ce qu'il y avait au commencement, au début. Il me semble que c'est là qu'on peut observer de plus près quel est le naturel. Et comme dit l'expression, chassez le naturel et il revient au galop. Mais quel est notre naturel? Je te propose que nous explorions cela ensemble. Je vais faire aussi une petite aparté. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de participer à une masterclass. Personnellement, j'aurais plutôt appelé ça un atelier ou une réunion, mais bon, le mot est à la mode, semblerait-il. On y a parlé de storytelling, mais pas que. J'ai observé aussi toutes ces histoires que racontent les coachs, les accompagnants, toutes ces personnes qui sont sur le devant de la scène dans le domaine du développement personnel, par exemple. Et je trouvais extraordinaire ces histoires qu'ils racontent. Ce côté où au début ils sont partis de quelque chose de difficile, dur. Il y a cet homme qui raconte à quel point il était timide, tellement timide qu'il était incapable de répondre devant sa classe ou de rentrer dans un bus et de demander au chauffeur de s'arrêter à son arrêt, des choses incroyables et qui aujourd'hui accompagnent les personnes sur développer la confiance en soi, réussir, se faire confiance, etc., etc. Et ça m'a amené à une réflexion. Et ma réflexion était la suivante. D'où je suis partie? Où a été ma difficulté? Parce qu'en vérité, si je regarde des difficultés de ce type-là, j'en ai pas vu. J'ai pas une histoire de storytelling à raconter. Mais ça m'a donné envie de te partager ma petite histoire de « Il était une fois ». C'est un exercice que je donne régulièrement aux personnes que j'accompagne, écrire le « Il était une fois ». Pour pouvoir découvrir en fait ben d'où c'est parti, qui je suis à mon commencement. Et donc aujourd'hui, c'est ça que je te propose de te partager en témoignage. C'est mon Il était une fois. On y va. Bonjour, je suis Laetitia Trio, Spirituellement Vôtre, le podcast qui se veut être un témoignage de la spiritualité au quotidien. Ici, au fil du temps, les expériences de vie se partagent, tout comme l'inspiration d'une spiritualité universelle, simple, vivante, accessible à tous, intégrée dans tous les domaines de la vie. Osons la spiritualité au quotidien, ensemble. C'est vrai qu'il y a cette petite histoire, là je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus personnel, mais finalement on est là pour ça, on est là pour être plus intime. Un podcast, c'est ça, c'est voir ce qui se passe de l'autre côté, en fait, du décor. Du coup, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, une petite fille, sans mêlée, de 4 ans. Elle vivait dans une maison au milieu de la forêt avec sa famille. Sa vie était calme et paisible, proche de la nature. Elle y faisait des expériences un peu particulières, hors du commun. Mais à ce moment-là, elle ne le savait pas. Toute jeune, déjà, elle s'intéressait aux choses métaphysiques, au monde du subtil, à celui de l'invisible. Pour dire la vérité, elle ne s'y intéressait pas. Mais on lui enseignait. Elle n'avait pas choisi, consciemment, délibérément, de s'intéresser à ces sujets. Mais on lui enseignait. On lui montrait. Dans l'invisible ou à travers ses rêves. Cela avait commencé
autant qu'elle s'en souvienne, vers ses 6 ou 7 ans. Et une part d'elle était complètement démunie face à ces expériences qu'elle ne pouvait finalement partager avec personne. Cela créait en elle une grande solitude et un sentiment d'incompréhension. Cela, finalement, elle ne pouvait le partager que partiellement avec son grand-père, ou en tout cas celui qui, dans sa mémoire, avait pris l'image de son grand-père et qui l'appelait Petit Bouddha. D'ailleurs, quand elle était toute petite, quand elle était bébé, elle avait vraiment le corps d'un dieu. Mais c'était Bouddha. Ou plutôt, le corps de ce dieu était celui de Bouddha. Ou tout au moins, à sa ressemblance. Cette petite fille, c'était moi. Et un jour à l'école, la maîtresse a demandé aux enfants, j'étais à la maternelle, je m'en souviens, c'était la première année de maternelle, et elle demandait aux enfants, « Qu'est-ce que vous voulez être quand vous serez grand ?» Cette fameuse question qu'on a presque tous entendue dans notre enfance. Et les enfants répondaient à leur tour, « Je veux être pompier, institutrice, secrétaire comme maman, docteur, avocat, vétérinaire. » Et quand mon tour est venu, je lui ai répondu « Je veux être enchanteur. » Et elle m'a répondu « Ah ? Mais non, c'est pas possible. Pourquoi »« Pourquoi ? » ?»« Parce que tu es une fille, donc ce serait enchanteresse. Et ça n'existe pas. Trouve autre chose. » Waouh ! Face à mon rêve brisé, j'étais restée abasourdie. Et en fait, chaque semaine, il y avait le même rituel. Chaque semaine, cette même maîtresse faisait cette même demande, ce même questionnement. Alors du coup, c'était compliqué, je ne savais vraiment pas quoi lui répondre, parce que ce qui me tenait à cœur, c'était d'être enchanteur. Même pas enchanteresse, enchanteur. Du coup, j'ai choisi de répondre un peu comme les autres. Secrétaire, comme maman, peut-être architecte. Ça me parlait bien, architecte, construire des maisons, faire des plans, j'aimais bien ça. Mais il n'y avait pas de ravissement, il n'y avait pas de passion dans cette idée-là. C'était une projection pour contenter quelqu'un. Et pendant très longtemps, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Alors j'ai passé un bac S, en section internationale espagnole, que j'ai eu avec mention. Et après ça, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Alors j'ai fait une grande école de commerce, pour laquelle j'ai eu un parcours un peu particulier, parce que j'ai eu un accident de vie entre les deux, mais ce serait bien long de tout vous expliquer. Et finalement, donc, j'ai fini mon école de commerce avec les honneurs du jury. Et avec mon diplôme en main, eh bien, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie. Alors j'ai été opportuniste. J'ai eu la chance d'occuper des postes à responsabilité dans des sociétés internationales ou plus locales, des grandes, des petites, des moyennes. Dans le secteur privé, bien sûr, mais aussi dans le public. Mais quoi qu'il arrive et quel que soit le montant qu'il y avait sur mon chèque à la fin du mois, j'étais insatisfaite. Il y avait quelque chose qui me manquait et pourtant, la réussite était là, le succès était là. Et en fait, il y a quelque chose qui ne collait pas. Ça ne collait pas. Et comme Dieu a toujours un plan pour nous, un jour, il a décidé que c'était temps pour moi de réaliser autre chose. Parmi les choix posés en conscience pour ce podcast, il y a eu le souhait qu'il reste indépendant. Pour qu'il puisse fonctionner, perdurer, nous avons besoin de faire appel à la générosité des bonnes âmes, ou plutôt à leur charité. Ainsi, dans ce podcast,
nous n'avons pas recours ni au placement produit, ni à l'affiliation. On ne propose pas non plus la diffusion de publicité que nous proposent certains annonceurs. Ainsi, pour pouvoir perdurer, nous avons besoin de ton soutien. Financier, bien sûr, mais aussi d'autre nature. D'un point de vue financier, tu peux choisir de réaliser une donation libre et consciente. Pour que celle-ci puisse être réalisée, tu trouveras toute information utile dans la description du podcast. Grâce à ton don, à cette générosité du cœur, de nouveaux épisodes pourront être offerts et nous pourrons continuer à partager des contenus, des témoignages et aussi des inspirations. Et si tu aimes ce podcast, si tu l'apprécies, nous t'encourageons à le partager à d'autres. Parce que c'est aussi ainsi que d'autres personnes, d'autres âmes, pourront choisir, elles aussi, de soutenir et de faire un don à leur tour, ou de devenir témoignage. C'est ainsi, ensemble, que nous pourrons créer un cercle vertueux et faire découvrir, et soutenir, et partager, et témoigner chaque jour davantage. Et d'avance, nous te remercions de tout cœur, chaleureusement. Parce que c'est aussi cela, la spiritualité. C'est la générosité, le partage, la confiance en l'autre, en la vie, la foi et la charité. Et soyons-en sûrs, Dieu nous le rendra au centuple si c'est juste. À très bientôt et merci d'avance. Bye bye.